D'abord, on était ravis d'être sélectionnés. On va pouvoir construire des stages d'une grande qualité avec ce soutien-là. C'est une très belle chance d'être soutenu. Ouais. Alors moi, je m'appelle Aurélien Vessière, j'ai 28 ans, je suis guide de haute montagne. J'habite Annecy et je suis délégué régional pour l'association 82-4000 Solidaires. L'association 82-4000 Solidaires, elle a été créée par un groupe d'alpinistes qui a eu la volonté de partager ce milieu qui est exceptionnel avec des gens défavorisés qui n'y ont plus accès aujourd'hui. Le projet qu'on a monté pour le Crédit Agricole des Savoies, c'est la construction d'une antenne de l'association en Haute-Savoie qui s'est lancée en 2020. On a postulé pour pouvoir faire grossir cette antenne sur l'année 2021-2022. En bouche à oreille, on a entendu parler de cet appel à projet et ensuite sur Internet, on a trouvé les informations. On a d'abord postulé donc sur le dossier Internet. Ensuite, il y a eu une phase de sélection en présentiel. C'était super sympa. Et puis voilà, jusqu'à la remise en décembre dernier. On a appris le montant qu'on allait recevoir et puis le niveau d'engagement du Crédit Agricole. Pour nous, c'est un énorme soulagement parce que ça nous met complètement à l'aise pour cette première année de développement où on va pouvoir construire des stages d'une grande qualité avec ce soutien-là. Ça nous enlève vraiment un poids sur la tête. Je pense que pour les gens qui se lancent dans des projets, Ils ont souvent le poids financier qui parfois peut bloquer le développement concret des projets. Et là, voilà, ça enlève une épine du pied et on peut se concentrer correctement sur les vraies missions du projet. À fond, n'hésitez pas, allez-y, tentez votre chance, postulez avec le cœur sur les projets que vous avez et c'est une très belle chance d'être soutenu.